Si tu veux une bonne relation avec Dieu, ton cœur doit se tourner vers lui. Et tes relations avec les autres seront justes comme il faut. Sans une bonne relation avec Dieu, peu importe ce que tu fais pour garder tes liens avec les autres, c'est la philosophie de vie humaine. Tu ne maintiens ton statut que d'un point de vue humain et d'une philosophie humaine pour gagner les louanges des autres. Tu ne crées pas de relation conforme à la parole de Dieu. Si tes liens avec les autres ne priment pas, mais que tu as une bonne connexion avec Dieu. Si tu désires lui obéir, si tu peux offrir ton cœur à Dieu, tu auras de bonnes relations avec les autres dans la vie. Ces relations ne se fondent pas sur la base de la chair, mais elles reposent bien sur le fondement de l'amour de Dieu. Il y a communion, amour, réconfort et soins mutuels. Tout est fait pour accomplir la satisfaction du cœur de Dieu. Ces relations ne sont pas maintenues par philosophie de vie, mais par le fardeau de Dieu. Elles se créent naturellement. Cela ne requiert pas d'effort humain, juste la pratique des paroles de Dieu. Si tes liens avec les autres ne priment pas, mais que tu as une bonne connexion avec Dieu. Si tu désires lui obéir, si tu peux offrir ton cœur à Dieu, tu auras de bonnes relations avec les autres dans la vie. Avec les autres dans la vie.